Monsieur Carrel, je ne sais pas si d'entre vous vous connaissez. Je ne sais pas du coup pour le chat. Et Quarkus, quel est-il? Vous savez ce que c'est? Mais serverless, ça parle à tout le monde. Et Kafka, Trimine avec Kafka. Alors moi, je m'appelle Zinette Bendiba, je travaille chez Red Hat sur des solutions qui s'appellent aujourd'hui Red Hat Application Foundation. Et plus précisément, moi, je travaille en tant que développeur sur Apache Camel. Et ce que je fais, c'est que je développe et je maintiens plusieurs extensions Camel pour la plateforme Quarkus. Et je suis aussi membre de l'association Duchesse France qui a été créée par Mathilde et qu'elle a expliqué tout à l'heure. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'intégration et de mon projet. Cette photo, elle représente un petit peu la problématique d'intégration. Bon, on va voir les utilisateurs qui essayent de communiquer des systèmes qui ne sont pas faits pour discuter entre eux. Et du coup, ça résume un petit peu, voilà, c'est connecter des systèmes entre eux, envoyer des datas entre plusieurs systèmes, mais qui ne sont pas faits à la base pour fonctionner entre eux. Et donc, du coup, vu qu'on se connecte à plusieurs systèmes, et aujourd'hui, à l'ère du cloud, on a de plus en plus besoin de se connecter à plusieurs systèmes, et Apache Camel a encore plus de sens qu'en 2007. Et donc, du coup, on va avoir plusieurs connecteurs. Et ces connecteurs sont appelés aussi des composants. Donc, on en a vraiment beaucoup. On en a aujourd'hui, alors sur le Camel Core, on n'a pas exactement le décompte, mais ça fait longtemps qu'on en a plus que 350. Donc, on en a plusieurs. Ici, c'est que un exemple. Après, quand vous aurez les slides, vous aurez la liste ici en cliquant. Donc là, on a des composants pour des systèmes, pour des protocoles différents, des public, private clouds, pour de la data et j'en passe. Et avoir des connecteurs, ce n'est pas suffisant dans l'intégration. Dans l'intégration, on a plusieurs conditions, on a des transformations, on peut avoir plusieurs conditions pour en fait transformer la donnée. Et donc, du coup, il y a eu un livre qui a inspiré en fait la librairie, qui s'appelle Enterprise Integration Patterns, et que vous pouvez revoir les patterns dans ce site web là, et donc en fait qui décrit en fait toutes les problématiques qu'on a quand on intègre plusieurs systèmes. Donc en général, quand vous avez beaucoup de problèmes d'intégration, quand vous êtes dans un grand SI, quand vous avez des rachats de sociétés, quand vous avez des données qui circulent un peu partout,
souvent on a pas mal de problématiques qui se répètent et quand on ne connaît pas ces enterprise integration patterns, ce qu'on fait, c'est qu'on réinvente la roue. Donc c'est bien de savoir quels sont ces patterns, quels sont les, ça décrit, le livre décrit quelles sont les solutions adéquates et après on a des librairies d'intégration comme Camel qui implémente ça et qui va implémenter beaucoup plus, on va avoir plus de choses qu'on n'aurait pas pensé dès le début, comment gérer les cas d'erreur, comment en fait séquencer sur un temps bien précis. Donc on va avoir pas mal de choses. Donc là, il y a juste des exemples des choses qui reviennent assez souvent, router le message suivant des conditions, filtrer, envoyer à plusieurs systèmes, voilà, splitter, agréger, etc. Et en fait, Camel, c'est une librairie qui va faciliter donc les patterns d'intégration, la connexion à plusieurs systèmes. Et du coup, ça facilite. Donc en fait, on va avoir un langage qui est plus facile que ça. Et on l'appelle la DSL Camel. Et la DSL Camel, ben en fait, c'est une DSL qui va nous permettre en fait d'écrire nos problématiques d'intégration d'une façon que un peu presque on va ça nous parle en fait. Ici, on se dit from, donc on est en train de consommer. Et en fait, on est en train de consommer d'une bucket sur Amazon S3, tout fichier qui est préfixé par hello.txt. Là, on log le body et on le renvoie via Telegram, via un bot Telegram. C'est la même chose, c'est les mêmes keywords qu'on va avoir en Java XML. Il y a d'autres langages en fait qu'on a aujourd'hui dans Camel, mais voilà, c'est une DSL qui nous facilite et du coup, ça sera Camel et les composants qui vont faire le travail d'aller implémenter les bons protocoles et les bonnes API qu'il y a pour pouvoir aller se connecter à une bucket Amazon S3. Ce que je voudrais juste dire, c'est que dans Camel, les routes, donc là c'est une route qui commence par from et donc en fait c'est comme un pipe Unix, donc il va y avoir des étapes et du coup le body, le résultat du body en sortant d'une étape, c'est l'entrée de l'étape d'après. Et du coup on a plusieurs runtime. On a par exemple le standalone Java, on a Quarkus, donc c'est le projet sur lequel je travaille. On a pour Knative Kubernetes qu'on va voir via un opérateur, on a un projet pour le Kafka Connect, on a Spring Boot et j'en passe. Et donc du coup, je vais vous parler d'abord de mon projet Camel sur Quarkus. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Quarkus, donc c'est une stack Java qui va nous permettre de créer en fait pour nous en tant que développeurs des extensions pour cette plateforme-là, ce qui va faire que nos applications Java vont être en fait plus rapides à l'exécution et elles vont prendre moins de place mémoire. Et en fait, on a du coup via un Maven Gradle plugin qui va prendre en fait le bytecode généré Java classique. Et il va en faire un nouveau bytecode, en fait, plus adéquat, qui va être déjà, en fait, optimisé. Donc là, c'est surtout, en fait, Quarkus, c'est pour, en fait, des environnements cloud, mais c'est pour Kubernetes. Et donc, du coup, on va avoir un livrable qui peut être exécuté par un JDK tel que OpenJDK, donc la Hotspot JDK, en mode JVM. Et si on veut avoir une application qui soit encore plus rapide au démarrage et qui prenne encore moins d'espace mémoire, on pourrait en fait l'exécuter avec GraalVM, la native image de GraalVM, donc plus précisément la Substrate VM. Et donc du coup, on pourrait avoir, pour une même application, on pourrait avoir un livrable qui soit pour la JVM ou pour le natif. Et donc, du coup, pourquoi utiliser la version Camel Quarkus
Parce que du coup, on va avoir notre application d'intégration qui prend moins d'espace dans le disque, donc qu'il y a des plus petites images de containers, parce que ça va booter beaucoup plus vite. Et donc du coup, quand on est sur des environnements Knative ou serverless, on va avoir un instant scale-up. Et ça va nous prendre moins de place mémoire. Et donc du coup, on aura plus de containers dans la même... pour une même taille de RAM et du coup, ça va nous coûter moins cher. Petit truc par rapport à ce que j'ai fait quelques workshops et ce que je voudrais dire, c'est que quand on est dans Quarkus, et ça va être la même chose quand on est dans Spring Boot, il faut bien prendre les dependencies qui sont pour la plateforme. Donc en fait, de base, on a les camel components et donc du coup, ça va être des org.apache camel et on va avoir le composant. Mais quand on est sur Quarkus, en fait, il faut prendre la dépendance qui est vraiment adéquate pour le projet Quarkus. Et nous avons en fait deux liens. En fait, soit on les retrouve dans code.quarkus.io, comme je vous montrais tout à l'heure, là où j'ai créé mon projet. Mais là, on n'aura que ceux qui ont le native support. Sinon, si vous voulez, sur JVM, on a beaucoup plus de support. Donc, on a plus que 300. Là, on a 220 et là, on est 320 quelque chose. Ils sont sur la doc. Donc là, j'ai les liens, mais je vais vous le remontrer tout à l'heure. Et là, on va pouvoir faire la démo. J'ai un petit QR code si vous voulez participer à la démo. Alors, ce qu'on va faire là, dans la première partie, on va faire une application Quarkus avec des routes camel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire en fait un fichier dans Google Spreadsheet. On va mettre les informations dans un topic Kafka. Et après, on va avoir une autre route qui va consommer le topic Kafka et pousser les informations dans une bucket Amazon S3. Et pour remplir le fichier, du coup, j'ai le QR code, j'ai le petit QR code ici, qui nous ramène sur ce formulaire-là. Et donc, du coup, ça va permettre, en fait, d'avoir des informations ici. Donc, si je fais Zineb, et je mets un commentaire Hello 1, je devrais normalement l'avoir ici. Et du coup, j'ai Mathilde, merci. Donc, je vais du coup venir dans mon application. Donc déjà, j'ai créé l'application sur code.quarkus.io. Ce qu'on peut faire, c'est taper camel. Et là, du coup, on a les extensions qu'on a ici. Donc là, par exemple, j'ai fait Google Sheets. Voilà, et je peux cliquer sur les extensions. Et après, j'ai généré mon application. Si vous allez sur la documentation de Camel et vous prenez le Camel Quarkus, ici vous avez le user guide si vous voulez démarrer avec le projet. Mais dans la référence ici, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus parce que en fait, il y en a certaines qui ne sont disponibles qu'en JVM. Et donc, du coup, il faudra venir ici voir si vous voulez l'utiliser. Donc, mon application, je l'ai créée et en fait, j'ai créé une... celle-là, je peux la supprimer. Bon, je la supprimerai après. J'ai créé une classe qui est en route builder qui va me permettre de prendre les routes. Alors, dans un premier temps, on va oublier ces properties-là. On n'en a pas besoin, mais en fait, ici, du coup, dès qu'on a cette classe qui est en de cette méthode, on a une méthode configure dans laquelle, en fait, on va commencer à écrire nos routes. Et du coup, une fois qu'on a une extension, donc du coup, je n'ai pas montré le pom.xml, mais ici, en fait, le pom.xml, quand je l'ai généré, ça va prendre les bons dependency management, la bonne version de Quarkus Platform, et ça va mettre ici mes dependencies. Donc là, j'ai par exemple la Camel Quarkus Google Sheets. Et donc, du coup, voilà, je peux déjà commencer à coder. Donc, je vais commencer en fait ma route. Et là, je ne connais pas par cœur la syntaxe. Donc ici, j'ai un from. Donc du coup, je suis en train de consommer. Et donc du coup, je vais lui dire, je vais consommer depuis Google Sheets en mode stream. Et je lui donne l'ID du spreadsheet. Quand on utilise ces placeholders, en fait, ils sont définis ici
dans mon application .properties. Et pour ne pas partager les secrets, en fait, j'utilise des variables d'environnement. Après, j'ai quelques properties. Donc, du coup, je suis allée voir la documentation du composant. Là, je vais lui mettre, je n'ai pas besoin de A1 vers C200. Et je veux splitter les résultats pour ne pas avoir tout d'un coup, mais d'avoir ligne par ligne. Et Google Sheets, en fait, c'est pas une API. En fait, l'API Google, c'est pas une API qui permet un streaming comme depuis Kafka ou autre. Normalement, c'est un truc pour le travail collaboratif, donc c'est pas fait en sorte pour appeler 36 000 fois. Donc, du coup, je vais utiliser la syntaxe Camel pour lui dire en fait que je dois attendre avec le throttle pour attendre tous les 1500 secondes. Normalement, dans Google Sheets composant, on a aussi une propriété qui peut faire ça. Mais je voulais vous montrer en fait qu'on pouvait le faire même avec les composants qui ne l'ont pas. Et donc du coup, je vais juste loguer en fait ligne par ligne. Et là, je vais utiliser juste loguer le body. Par contre, c'est en minuscule. Je vais démarrer. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais démarrer en fait en mode dev mode Quarkus. Et on va regarder, pour ceux qui ne connaissent pas Quarkus, qu'est-ce que ça nous permet de faire. Donc, du coup, je reviendrai après sur cette partie-là, Kafka. Mais du coup, là, en fait, ça lit mes commentaires. Mais en fait, comme j'ai dit, c'est un truc de collaboratif. C'est pour avoir une petite démo sympa. Et donc, du coup, j'ai les messages qui se relisent à chaque fois. Et du coup, moi, je ne veux pas, en fait, envoyer les nouvelles lignes. Et surtout, je ne veux pas aussi envoyer la l'entête. Mais déjà, pour me dire que je ne veux pas relire les lignes, comme j'ai prévu d'avoir Kafka, ben en fait, j'ai envie d'utiliser un EIP qui s'appelle idempotent. Et idempotent, en fait, c'est utilisé quand on est sur une problématique où on ne veut pas en fait traiter un message plusieurs fois. En général, on va avoir un message avec un ID. Par exemple, si on a un système A qui envoie vers un système B un message et que le système A, il a besoin d'un ACK, et il ne faut surtout pas que le système B le consomme deux fois. Ben, si le système B, en fait, il y a juste une coupure de ACK, ben, en fait, on va utiliser idempotent. Et après, dans Camel, on peut l'utiliser avec plusieurs façons, par fichier, par base de données, par système de cache, avec Kafka. Donc, comme aujourd'hui, j'utilise Kafka, du coup, j'ai créé ici un repository. Mais juste avant de vous montrer, donc là, juste pour vous montrer le dev mode, on va juste mettre ici incoming message pour montrer que quand j'enregistre, il va y avoir un live reload. Et donc là, j'ai les messages, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça commence avec le incoming message. Donc du coup, juste pour avoir le live reload. Alors, je ne connais pas très bien la syntaxe. Mais bien sûr, je n'ai pas bien copié la ligne. Donc ici, je vais lui dire, je vais créer un idempotent consumer. J'ai besoin d'une autre ligne, pardon. Voilà. Et du coup, là, je vais lui dire, en fait, ici, c'est bête et méchant. Normalement, on prend un identifiant ou un truc qui identifie. Là, je lui dis tout le body du message. Du coup, normalement, je ne devrais plus revoir les messages revenir dès le début. Donc là, si ça me lit un message, ça ne va pas relire. Et en fait, l'EIP, dans le livre, il décrit bien tout ce qu'il faut faire et comment il faut implémenter le repository idempotent. Et dans Camel, en fait, on a juste à en créer un et après lui dire en fait sur quoi
on veut sur quel élément du message ou des headers du message, donc dans le contexte, on veut le faire. Et en fait, Kamel va de lui-même se dire, si c'est le même body, ben en fait, je continue pas. Donc, il va prendre, et ça, c'est pour dire où est-ce qu'on va le créer. Donc là, ça va être ici, ça va être un Kafka idempotent. Et du coup, si on l'utilise que dans ce cas-là, il faut bien avoir la dépendance qui va avec. C'est-à-dire que si vous l'utilisez avec Redis ou Hazelcast, il va falloir que vous ayez plutôt à la place de Kafka, que vous ayez la bonne dépendance qui va avec. Donc du coup, là, on n'a plus le même message qui revient. On va pouvoir se dire qu'on peut faire la première partie, on l'envoie dans Kafka. Mais juste pour l'envoyer dans Kafka, moi, je ne veux pas le premier message au redacteur avec ton prénom, surnom, ton commentaire. Je ne veux pas avoir la première ligne là. Je la vois, je la veux pas. Du coup, je vais utiliser un autre EIP avec qui s'appelle le Content-Based Router qui va nous permettre de faire le choix sur ce message-là. Donc, je vais juste le recopier. Ici. Donc, du coup, une fois que j'ai mon... Donc là, je vais faire un choice. C'est un choice avec des when. Je peux avoir autant de when, je peux avoir un otherwise. Mais moi, là, je vais juste dire quand en fait, ça ne contient pas au rodateur, bah, du coup, c'est un message pertinent à envoyer dans un topic Kafka. Et du coup, je voudrais aussi le transformer en message. Donc, qu'il y ait un ID, text, username et la date time. Alors, le text, username et date time, ils viennent du message. Et l'ID, ben là, j'ai juste mis un UID, random ID. Et du coup, j'ai créé une classe Java qui va prendre ce que j'ai. Normalement, ce que j'ai, c'est une liste de strings. C'est ce que vous voyez dans le commentaire là. Dans le body, c'est ça. C'est une liste de strings. Et donc, du coup, celle-ci, elle va me transformer cette liste de strings en l'objet message, en prenant le 0, je sais que c'est la date, le 1, bah, je sais que c'est le nom, et après, le 2, je sais que c'est le commentaire. Et donc, du coup, pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle, vu que je l'ai fait dans un bin Java, je vais me dire qu'ici, je vais utiliser un bin. J'ai une seule méthode, donc je n'ai pas besoin d'un deuxième argument, je vais juste lui dire googleService.class. Et en fait, il va transformer le message. Et là, je vais faire un... Je vais l'envoyer à Kafka. Donc, le topic, on peut l'appeler test. Je voudrais d'abord le transformer en JSON. Donc là, j'utilise Jackson. Et donc là, on va attendre que ça redémarre. Peut-être que je vais loguer ici pour voir si on ne voit pas le rodateur. Alors, est-ce qu'il a loadé? Je vais l'arrêter. J'ai toujours l'effet des mots. Et juste ici, vous voyez au tout début, vous avez vu un container. En fait, je n'ai pas de... Ici, j'ai mis prod, donc ça ne marche pas dans le dev mode. Donc, je n'ai pas d'URL vers le broker Kafka. Et donc, avec Quarkus Dev Services, en fait, j'ai un Kafka en fait, qui se lance avec test container et je ne fais rien du tout. Par contre, nous, dans Kamel, on va reprendre ce qu'ils ont fait par les équipes Quarkus pour Dev Services pour remettre en fait l'URL de ce broker dans les properties qui sont propres à Kamel. Comme ça, ça va fonctionner. Et ben, merci pour tous les messages, hein, j'en ai pas mal. Maintenant, la deuxième étape, c'est de les envoyer sur ma bucket S3 qui est ici. On va faire un refresh. Et en fait, il n'y a pas d'information. Donc,
Je vais, alors juste pour vous dire ici, les composants, il y a deux façons de mettre des properties. Soit on le fait directement dans l'URI, comme ici en fait, on en a plein qui sont là. Soit on va faire des properties qui sont générales. Et donc du coup, là pour le coup, on va faire camel.component. Ici, on va mettre le nom du component et ici, le nom de la property telle qu'on l'a vue sur la documentation. Si je passe rapidement, là, je suis sur ActiveMQ. Là, je dois aller sur la page du composant. Et donc, du coup, ici, je vais avoir toutes les options possibles. Et du coup, c'est ce nom de propriété qui va se retrouver, en fait, ici. Et ici, on aura bien le nom du composant. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire la variable générale. Dans Quarkus, en fait, on peut injecter comme ça dans les applications.properties les variables d'environnement. Et si vous voulez déployer sur Kubernetes, ben, vous pouvez réutiliser encore cette façon de faire. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais en créant des secrets en fait, dans le cluster. Et en fait, je plug le secret à l'application. Et donc, du coup, je peux les utiliser comme ça. Donc du coup, pour aller faire notre route, je vais juste copier-coller la deuxième route. Et on va l'expliquer ensemble. Donc ici, en fait, je vais aller du même nom de broker, de topic, pardon. Et je peux loguer, si vous voulez, une commit message from Kafka. Et pour l'envoyer sur ma bucket, en fait, j'ai besoin du nom de la bucket dans l'URI. Le reste, en fait, il est configuré ici. Donc, j'ai mis mes secrets, ma bucket name, etc. Et le composant, il a besoin d'un header, d'une key. Donc, Amazon S3 a besoin du message et qu'il arrive avec une key. Là, pour la démo, j'ai juste rajouté, ici, j'ai mis 7 headers, j'ai mis la clé. Donc, on peut transformer le message, on peut transformer les headers, on peut en supprimer, en deleter, on peut faire un peu comme on veut. Et voyons voir si ça a fonctionné, si ça a live reloadé ou pas encore. Ah, le live reload vient de finir. J'étais un peu rapide. Alors, l'effet démo aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, le live remote, normalement ça fonctionne, je n'ai pas besoin d'arrêter de rallumer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voyons voir si non, ça n'avait pas fonctionné. Donc, voilà. Donc là, on a bien les send in messages. Si je viens ici, j'ai des messages dans ma bucket S3. On va les lire tout à l'heure dans la deuxième démo. Donc la démo 1, elle est finie. On va la relier avec une autre démo. Alors, ce que je ne vais pas faire parce que ça prend un peu de temps, alors déjà, peut-être, je vais vous montrer juste un peu comment on va builder en natif. Donc, pour builder en JVM, c'est les Maven Package standard. Là, on peut faire Maven Package moins D native. Je peux me rajouter un clean. Et là, donc quand vous créez l'application depuis le générateur Quarkus, quel que soit le générateur que vous avez en fait le profil natif et du coup, ça va prendre du temps par rapport à la compilation en fait JVM. Du coup, l'autre partie, c'est comment on déploie en Kubernetes. Il y a pas mal d'extensions en fait qui existent dans Quarkus pour builder une image en container suivant ce que vous voulez et pour générer des ressources Kubernetes, quelle que soit en fait votre distribution Kubernetes. Et il y a une petite vidéo ici si vous voulez avoir plus de détails.
J'ai rajouté ça par rapport aux questions. Donc, quand vous voyez quand on chaîne, en fait, c'est des strings. Et en fait, pour pouvoir en fait avoir un type safe endpoint URL, vous pouvez utiliser à la place de root builder qu'on a vu, endpoint root builder. Et du coup, au lieu de chaîner comme ça, password égal machin et de faire des fautes, vous pouvez utiliser cette façon-là de configurer. Voilà, parce que ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Et maintenant, en fait, la deuxième partie, c'est on a un autre projet qui nous permet en fait de faire un peu plus simple. En fait, ce qui nous permet, en fait, c'est comme j'ai dit, en fait, quand on lit, on sait que ici, par exemple, on est en train de lire d'un channel qui est native. Quand on est dans une application Java Camel, en fait, on est obligé d'ajouter les dépendances à pour chaque ligne qu'on voudrait. Donc, si on utilise Knative, si on utilise Kafka, on doit le rajouter alors que en fait quand on lit c'est super intuitif. Du coup en fait pour les environnements Kubernetes et serverless qui sont sur Kubernetes donc Knative pour notre part, on a en fait un opérateur qui va aller faire ce travail là. Donc en fait on va juste écrire les routes. On ne va pas faire de dépendance, on ne va pas créer d'application, on va faire les routes comme on a l'habitude de faire. Et en fait, on va utiliser une CLI pour juste en fait, installer cette route sur un environnement Kubernetes et serverless Knative. Et en fait, c'est l'opérateur Kubernetes qui va aller faire le travail. Et du coup, j'étais en avance sur mon slide d'après qui disait que c'est l'opérateur qui va le faire, mais pas la personne, mais un opérateur Kubernetes. Et là, du coup, on est sur la deuxième partie de la démo où on va faire, on va utiliser avec l'opérateur CamelK, on va faire deux routes. Donc, une qui va en fait créer des events serverless dans un channel Knative et l'autre qui va en fait être réveillé par par les événements qui arrivent pour envoyer un message sur mon compte Telegram. Donc ici, c'est pour voir un petit peu les deux façons de faire. C'est qu'on aura une route qui va être up tout le temps et une route qui va être complètement serverless, donc qui va se réveiller que quand on en a besoin, quand il y a un event. Moi, je fais toujours, c'est pas avec F11. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement. Ici, je suis sur mon cluster OpenShift. OpenShift, c'est une distribution de Kubernetes. J'ai ici l'opérateur CamelK. Et ici, j'ai créé un channel qui s'appelle Feedback. Et je n'ai pas d'intégration dessus. Je vais les déployer et après, on va voir la description derrière. Alors, juste pour vous montrer d'autres façons de faire, ici, on a fait du Groovy. Donc, pardon. Je vais vous montrer, ça c'est la CLI Camel. Donc si je fais Camel get, je n'ai aucune intégration sur mon cluster. Et du coup je fais Camel run, je vais faire Knative to Telegram. Du coup ici dans le fichier je vais vous expliquer les espèces de secrets etc et vous allez voir que là en fait c'est une Knative service avec un minimum scale à zéro, c'est à dire qu'on lui dit de scaler à zéro. Du coup là pour l'instant elle est up mais après elle va s'éteindre et du coup c'est une elle se plug déjà au channel en fait feedback. On peut regarder rapidement le code qui est là. Et d'ailleurs en fait dans le projet il y a comment vous pouvez l'installer, comment vous pouvez tout installer sur votre poste. Donc c'est celle-là. Et donc du coup c'est un fichier Groovy qui va prendre en fait la même syntaxe. Donc là, on lit, on consomme un channel feedback. On transforme simplement en disant, avec un langage simple de Camel, en disant que c'est un nouveau message, on a le body. Et on l'envoie via un chat ID qui est le mien.
J'essaie juste de voir si ça se termine pour voir la super démo. Tu vois, il est en train de terminer. Parce qu'une fois que je vais mettre la première partie, en fait, ça va consommer dans S3. Et du coup, ça va. Donc, du coup, je vais vous montrer l'autre. C'est le S3 Toolkit Native. Et là, du coup, en fait, je lis depuis la bucket S3 avec un delay et je fais un simple log et on envoie à Knative. Tout en haut, ici, on utilise le CamelK Modeline pour déterminer en fait les configurations. Donc ici, on va lui dire qu'on a un S3 secret. Et en fait, on l'a créé comme ça. En fait, il y a dans le README de cette partie-là, on explique comment, à partir de variables d'environnement, comment on crée le secret et comment on le déploie en ligne de commande sur notre cluster. Et c'est la même chose pour l'autre. Donc, du coup, ici, on lui dit de prendre le Telegram secret et on lui donne aussi ce minimum scale et pour lui dire que c'est du Knative. Donc là, il est scalé à zéro. Donc, l'application, elle est plus up. Donc, je vais faire l'autre S3 to Knative. Et là, c'est différent. Donc, même si ça, c'est une application qui va rester up tout le temps parce qu'elle n'est pas. Et voilà, vous voyez, ça s'est allumé. Et voilà, je commence à avoir les messages sur Telegram. On peut réessayer un autre si vous voulez. Je ne sais pas du coup. Là, j'essaie juste de voir les logs. Dans les logs, vous allez voir les mêmes logs dont vous avez l'habitude. Vous voyez du Quarkus là derrière. Voilà. Mais nous, on n'a écrit qu'un seul fichier Groovy. On peut écrire avec d'autres langages. Mais du coup, c'est l'opérateur qui va du coup faire le travail. Si je veux avoir des nouveaux messages, il va falloir que. Pardon. Il va falloir que je rallume la petite application tout à l'heure. Sinon, ça ne va rien envoyer. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu tous les messages, mais hier soir, ça marchait. Alors, maintenant, c'est up. On va essayer de voir si je peux avoir un nouveau message. On va mettre un Hello Knative et on va voir. Et alors, du coup, ici, ça marche. Et là, je reçois tout d'un coup, en fait. Du coup, ça doit être peut-être le temps de les consommer, de redémarrer l'application. Là, elle redémarre encore. Et j'ai bien le Hello Knative. Donc voilà, on va dire fin de la démo. Donc voilà, si vous n'êtes pas des développeurs Java et vous êtes sur Kubernetes, vous pouvez utiliser ça assez facilement. Il y a même encore plus facile que ça. On a maintenant ce qu'on appelle des camelets. Vous n'êtes même pas obligé de connaître la syntaxe, mais par contre, ça va être, enfin, il va falloir trouver en fait les use cases dont vous avez besoin. Et si je reviens du coup à mes slides, je ne sais pas où elles sont là. Alors, pour faire un petit résumé, on a vu un petit peu que Apache Camel, ce que ça a apporté dans le monde de l'intégration avec plus de 350 connecteurs, la joie de développer dans le Quarkus Dev Mode et la possibilité de scaler à zéro et déployer dans Knative. Et streamer depuis et vers Kafka. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait que from et to et le nom du topic. Si on a besoin, voilà, on va utiliser les brokers URL, etc. Sur le fichier application.properties. Et ceux-ci sont les liens pour notre site de documentation, notre chat Zulip qui est ouvert à tous et sur lequel vous pouvez nous poser des questions. Donc, il y a plusieurs channels, notre mailing list et notre Twitter.
On veut absolument avoir, on aime beaucoup les feedbacks et les contributions, mais surtout pas mal de feedbacks. Si vous avez des feedbacks, si vous avez des améliorations que vous voulez, n'hésitez pas à nous les dire. S'il y a des issues sur Camel Quarkus que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup d'extensions encore à passer en natif, vous pouvez les voter ou les contribuer. Et merci, ça c'est mon Twitter et mon site, la page de conf, c'est là où je mettrai en fait les slides et les liens vers le code. Voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Zineb. On a une minute pour les questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde, s'il y a des questions sur l'autre channel, non. De toute façon, tu es encore là toute la journée, non? Oui, je suis là toute la journée, ouais. Donc, si vous êtes timide, vous pouvez lui poser les questions après. Okay. Je pense qu'on peut applaudir encore une fois Zineb, parce qu'elle fait des démos de ouf chaque fois. Ok, du coup, on reprend dans 5 minutes déjà avec Guillaume, t'es prêt? Ouais, allez, c'est parti.